notre avantage numérique va durer plus. Quand ils sont dans la route, ben, c'est ce que tu as besoin. Défensivement, là, on a joué de loin un meilleur match qu'on a pu jouer hier. Même si on a marqué 40 tirs au but, beaucoup de leurs tirs venaient de la pointe lors de leur avantage numérique. Je regardais en première période, c'était 5 à 5 qui est lancé au moment de leur avantage, puis ça a fini 16 à 8, je pense, la période. Fait qu'il y a eu 11 tirs en avantage numérique. Fait qu'ils lancent de partout en avantage numérique, ils essaient de profiter là, de situations devant, c'est une chose intéressante pour eux autres à faire. Mais de notre côté, c'est sûr qu'en prolongation, avec un 4 contre 3, il aurait fallu trouver une manière d'être beaucoup plus dangereux et beaucoup plus productif. Parce que le Goujon a fait des bons arrêts, là, je te dirais qu'on a eu un 2 contre 0. Il a fait 2-3 bons arrêts là, pour garder son équipe dans le match. Moi, j'ai trouvé qu'on a eu des meilleures chances de marquer que eux. Mais ça, c'est mon opinion de mon côté. Il y a quand même que le match s'est joué. Vous, vous comptez pas avec un avantage de 2. Eux autres comptent avec un avantage de 2. Et c'est finalement différent dans le match. Ah, c'est sûr. Mais c'est les avantages numériques jouent un rôle important. Il y a beaucoup de. À chaque match, tu as entre 7 à 8 avantages numériques. Si tu es capable de capitaliser sur ceux-là, ben, c'est certain que ça fait une différence. Votre gardien aussi, Lavigne, lui donner également une bonne note. Il a très bien fait. Il a connu un bon match. Il a bien rebondi là, après la défaite d'hier. Il nous a gardé, nous a donné une chance de gagner. C'était à nous à gagner avant d'arriver en tir de barrage. Et qu'est-ce que vous avez compris là, de l'expulsion du jeune Carrier? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Alors, c'est difficile pour moi là, de commenter sur la situation. Je sais qu'il y a eu une mise en échec par derrière. Mais par la suite, là, j'ai regardé ce qui se passait à ma gauche. Alors, j'ai pas vu. Là, on semble avoir donné un instigateur. C'est une nouvelle réglementation encore qui, en tout cas, pas trop toujours claire. Ben, je sais pas. Frère, je le regarde faire un commentaire. Je ne vais pas prononcer sur la situation dont j'ai pas réellement vu. Peut-être une fin de semaine de 3 en 3, ça va être un gros match demain. Là, ben écoute, on aurait aimé ça jouer au-dessus de 500. Demain, c'est une opportunité pour nous autres de jouer 500. C'est sûr qu'on voulait un peu plus que ça, mais ça fait partie du hockey. On avait deux bons matchs, Drummondville et Rimouski. Rimouski est une équipe très difficile à battre ici à domicile, et du bon hockey. Alors, mais c'est correct, on a des choses à travailler, puis c'est là-dessus qu'on va focusser. Merci.